Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. Oui, bonjour à tous. Alors avant de commencer cette revue de presse, quelques nouvelles de la chaîne. Alors demain, un documentaire sur Maïdan. Maïdan 2014, Azov, secteur droit. Azov, secteur droit, les mouvements extrémistes aidés par les États-Unis et le Pentagone. Demain toujours, 17h, une nouvelle série nommée Rush, qui va vous montrer la vérité, la réalité du terrain pour nous, réalisateurs qui, avec une caméra, allons au-devant des combats. Demain, à 17h, combat dans la ville, Rush. Demain, dimanche. Bon, alors, d'autre part, nous avons atteint les 3800 abonnés. Alors, évidemment, à côté des 64 000 de l'autre chaîne, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais, c'est ainsi. Alors, abonnez-vous, et puis, encouragez-nous sur Tipeee. Franchement, moi, je ne sais pas, je n'en sais rien. Franchement, la France doit-elle partir et laisser la place à la Chine et à la Russie? Pour moi, c'est un sujet un peu épineux, si je puis dire. J'en sais rien. Peut-on avoir une autre politique en Afrique? C'est ce que nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Mais maintenant, occupons-nous de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, que se passe-t-il? Eh bien, moi, je suis très étonné de voir des rédactions comme LCI, par exemple, qui, à l'évidence, donnent des infos sur une avancée russe. Alors, c'est à peu près la première fois qu'ils font ce genre de choses. Mais pourquoi? Alors que, à l'évidence, ils sont du côté de l'OTAN. Pourquoi? Pourquoi donnent-ils ces infos? Je n'ai pas encore de réponse, mais vraiment, c'est très étrange. Volodymyr Zelensky limoge tous les responsables régionaux chargés du recrutement militaire. L'opération vise à déraciner un système de corruption permettant notamment à des conscrits d'échapper à l'armée. Le président ukrainien annonce que 112 enquêtes criminelles ont été déclenchées par les services de sécurité du pays. Volodymyr Zelensky demande par ailleurs que le recrutement militaire soit désormais organisé par des vétérans passés par le front ou qui ne peuvent plus être dans les tranchées parce qu'ils y ont perdu leur santé ou un membre. Les autorités russes ont annoncé avoir repoussé plusieurs drones d'assaut ukrainiens qui ont attaqué notamment la région frontalière de Belgorod. L'un des engins a été abattu avec une arme d'infanterie, selon l'agence Sputnik. Le maire de Moscou annonce qu'un drone a été abattu au-dessus de la ville. Les débris du drone sont tombés au nord-ouest du centre-ville sans faire de graves dégâts ou victimes. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'un drone ukrainien s'était écrasé alors qu'il se dirigeait vers sa cible dans la capitale. Les enquêteurs fouillent une zone boisée près de Moscou. Et d'ailleurs, plusieurs explosions ont été entendues à Kiev vendredi après l'alerte nationale au raid aérien déclenché par les autorités ukrainiennes. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé des missiles hypersoniques sur la région de Kiev. Le maire de Kiev a précisé que des fragments de missiles s'étaient écrasés sur le terrain d'un hôpital pour enfants, ne faisant ni blessés ni... Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, s'est rendu en Arctique pour inspecter les forces armées qui y sont déployées, selon le ministère russe de la Défense. Shoigu a inspecté les garnisons éloignées de la flotte du Nord dans l'Arctique et la préparation des soldats à défendre les installations particulièrement importantes dans cette zone stratégique pour Moscou. Il s'est notamment rendu sur l'archipel de la Nouvelle-Zemble, à l'extrême nord de la Russie.
Un drone s'est écrasé dans l'ouest de Moscou après avoir été intercepté par les systèmes de défense aérienne russes, a déclaré le maire de la capitale. Personne n'aurait été blessé, mais les habitants sont inquiets car de tels événements sont de plus en plus fréquents. Конечно, страх есть. У меня трое детей. И, конечно, я беспокоюсь. Это уже в непосредственной близи от нас происходит. Но если вы меня спросите, ну, что делать, я не знаю. Ну, наверное, нужно как-то усиливать безопасность. Ну, на мой взгляд, это уже такие серьезные какие-то знаки для того, чтобы задуматься. Вот. Над Москвой уже который раз летают эти беспилотники и держат немножко в страхе все равно. Les Ukrainiens affirment que leurs défenses ont déjoué une attaque russe sur Kiev. Plus au sud, à Zaporijjia, la lumière du jour a révélé l'étendue des dégâts causés par l'attaque contre le principal hôtel de la ville, où se trouvaient nombre de travailleurs humanitaires. Denise Brown, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour l'Ukraine, a appelé dans un tweet les autorités russes à cesser leurs attaques aveugles contre le pays. Une personne a été tuée à Kherson après que des tirs d'obus russes ont frappé plusieurs zones de la région. Selon le gouverneur régional, un homme de 53 ans est décédé après avoir été grièvement. L'Ukraine cherche des alternatives au corridor céréalier en mer Noire. C'est l'annonce faite par Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne de vendredi soir. Ces dernières semaines, l'exportation de céréales ukrainiennes a drastiquement diminué. En plus de son refus de prolonger l'initiative de la mer Noire, Moscou bombarde les installations portuaires de Kiev sur le Danube. L'Ukraine va désormais acheminer ses marchandises par rail et camion vers la Roumanie et la Croatie. Щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридором. Робимо все можливе, щоб Україна була і надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків. L'armée russe a renforcé sa présence sur le front est ukrainien et lancé une offensive sur Kupiansk. Cette ville proche de la frontière est un important carrefour donnant accès à la région de Luhansk. Elle a été libérée par l'armée ukrainienne en septembre dernier. Dans cette ancienne église orthodoxe d'Antalya, une Bible dans une main et une bougie dans l'autre, Johan Koval dirige sa première prière en Turquie. En mai dernier, le tribunal ecclésiastique de Moscou a limogé le prêtre russe pour avoir récité une prière pour la paix, refusant de prier pour la victoire de la Russie. Со словом победы молитва обретала уже пропагандистское такое значение, как бы формируя правильное мышление у прихожан. Мне показалось, что это идет вразрез моей совести. En février, le prêtre Andrei Kordochkin avait également été suspendu pour ses prises de position contre la guerre. I think that we have a duty to speak out, whatever the cost. But of course, I cannot call my brethren who are in Russia to put themselves under threat. Depuis le début de la guerre, au moins 30 prêtres ont affirmé avoir subi des pressions de la part des autorités religieuses russes ou de l'État. Le bilan de l'incendie qui a quasiment rasé une ville de l'île américaine de Maui dans l'archipel de Hawaï a atteint désormais 80 morts selon les autorités locales. Plus de 1400 personnes ont été évacuées dans des abris. L'ancienne capitale du royaume d'Hawaï réduite en cendres. Il ne reste plus grand-chose de la ville de Lahaina après le terrible incendie qui a ravagé l'île de Maui. Le dernier bilan communiqué par les autorités fait état d'au moins 80 morts et il y aurait des centaines de disparus. Les témoins, surpris par l'avancée des flammes, racontent des scènes de panique. People are found in houses in a huddle, holding each other because the fire surrounded their homes before they could even get out. There was nowhere to go. And these are beautiful homes that are very old and they're made of wood. Those went up like a matchstick. Nobody had warning. Les sirènes censées avertir la population de l'imminence du danger n'ont pas retenti. Une enquête a d'ailleurs été ouverte sur la gestion de la crise. En attendant ces conclusions, l'heure est à la recherche des cadavres qui pourraient se trouver sous les décombres et à la coordination de l'aide à apporter aux nombreux sinistrés. Le
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réaffirmé la souveraineté de la Chine sur la mer de Chine méridionale lors de sa rencontre avec de hauts responsables malaisiens. Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que la stabilité régionale et globale autour de la mer de Chine méridionale avait été atteinte grâce à des années d'efforts conjoints de la Chine et de l'ASEAN, mais que la Chine appelait Washington à cesser d'encourager des confrontations. Pékin a affirmé qu'elle continuerait à sauvegarder la souveraineté nationale, exhortant les Philippines à honorer leur engagement et à cesser toute activité provocatrice. Samedi dernier, les gardes-côtes chinois ont demandé aux Philippines de retirer l'épave d'un navire de guerre du récif de Jeonnai, après que Manille y a envoyé deux bateaux transportant des matériaux de construction destinés à le renforcer. Le chinois des affaires étrangères Wang Yi a souligné la souveraineté de la Chine sur la mer de Chine méridionale lors de sa rencontre avec de hauts responsables malaisiens. Wang, également membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, a cependant appelé les États-Unis à cesser d'inciter aux affrontements. Nous, une ville habituellement animée de l'état de l'Ariana, est devenue une ville fantôme depuis 2 semaines. Soumise à un couvre-feu, elle porte encore les stigmates des affrontements meurtriers entre hindous et musulmans. À l'origine des heurts, une procession religieuse organisée par des nationalistes hindous dans ce district à majorité musulmane. Suite aux violences, le gouvernement nationaliste hindou du BJP de l'état de l'Ariana a répondu par la force à la communauté musulmane en détruisant leur logement. Toute ma maison a été détruite par 3 bulldozers. Par là-bas, les destructions sont encore pires. La maison de Coursida fait partie des 300 foyers de familles musulmanes détruits. Ils nous ont accusés d'avoir jeté des pierres lors du rassemblement, mais c'est impossible, le temple se trouve à 1 ou 2 kilomètres d'ici. Le Bajrang Dal, un groupe extrémiste hindou, est à l'origine de tous ces actes de vandalisme. Ils nous ont attaqués. Dans le village de Paledi, il ne reste que des femmes et des enfants. Par peur, les hommes ont fui. Samina, mère de famille musulmane, accuse la police d'avoir arrêté son fils de manière arbitraire. Je ne sais pas où est mon fils depuis 9 jours. Il n'a pas été impliqué dans l'affrontement. Il dormait, la police a fait sa ronde et l'a arrêté. C'est de la persécution, quoi d'autre? Je prie pour que les hindous et les musulmans vivent en paix. À New Delhi, des membres du groupe d'extrême droite Bajrang Dal présents à nous lors des échauffourées ont accepté de nous rencontrer. Ils considèrent la minorité musulmane comme une menace pour le pays. On est la communauté majoritaire, mais c'est nous qui sommes opprimés. Nous n'avons pas le droit d'organiser nos processions religieuses quand nous le voulons. C'est clair, sans la force ou la peur, les musulmans ne resteront pas à leur place dans la société. Ils commenceront à nous jeter des pierres ou à persécuter les hindous par le biais de la propagande politique. Depuis le début du mois d'août, les violences contre les musulmans ont fait 6 morts dans l'état de l'Ariana. La situation au Niger demeure toujours au cœur des préoccupations. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont reporté une réunion clé sur le déploiement d'une force d'intervention pour établir le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État. Cette réunion, initialement prévue ce samedi à Accra, a été repoussée sine die pour des raisons techniques, selon des sources militaires régionales. Mayra Djibrin est médecin, elle dirige une ONG et passe sa vie entre la France, où elle habite, et le Niger, d'où elle est originaire. Ces jours-ci, elle suit avec inquiétude les développements dans son pays natal. On ne sait plus de quoi est fait l'avenir. Ça peut se résoudre, tout comme ça peut basculer à tout moment dans quelque chose d'inquiétant qui pourrait mettre en danger nos populations qui vivent encore là-bas. Ils sont vraiment dans l'incertitude et il y a aussi une forme de peur. Ils ont notamment peur qu'il y ait une intervention militaire de la CEDEAO qui pourrait faire des victimes. Ils ont aussi peur pour l'avenir, je crois. Ils ne savent pas si les choses vont évoluer, si c'est l'opportunité d'un développement ou bien c'est aussi l'occasion d'une guerre qui va se mettre en route. Après 10 jours de tensions exacerbées au Niger, Mayra Djibrin lance un appel au dialogue. Après un appel aux différentes parties prenantes de mettre tout en œuvre pour restaurer la démocratie. Je pense qu'il va y avoir un règlement à l'amiable parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une intervention armée
qui peut avoir des conséquences très néfastes. Le Niger, qui était déjà pas en paix avec le terrorisme qui était là, peut se retrouver avec, si une guerre se met en route, il peut se retrouver demain être le futur Afghanistan. On ne le souhaite pas. D'après la médecin, moins de 300 Nigériens seulement vivent actuellement en France. Il y avait, avant les récents événements, entre 500 et 600 Français au Niger. Une intervention militaire au Niger divise les pays ouest-africains. Le Cap-Vert, membre de la CEDEAO, vient s'ajouter à la liste des membres opposés à une opération militaire de l'organisation au Niger. Le président cap-verdien José María Neves a cependant appelé à œuvrer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Le ministère français des Affaires étrangères a apporté son plein soutien à l'ensemble des conclusions adoptées lors du sommet de la CEDEAO sur le Niger. Le bloc d'Afrique de l'Ouest a ordonné le déploiement de sa force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel dans le pays, qui était l'un des principaux alliés de Paris au Sahel, rappelle cet expert de la région. Depuis la fin de l'opération Barkhane et de l'opération Takuba, c'est le Niger qui est censé accueillir en partie ce nouveau dispositif des forces françaises au Sahel. Donc ça, c'est un premier point. Mais également parce que si le Niger tombe aujourd'hui, c'est comme je le disais, c'est un problème sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a ce problème de la menace terroriste, mais ce problème des coups d'État généralisés. Et donc la position de la CEDEAO, elle est ferme, parce qu'on a déjà le Mali et le Burkina Faso qui sont dans une situation de transition suite à des putschs militaires. Et deux coups d'État, c'est coup d'État sur coup d'État. Ces derniers jours, des slogans anti-français ont été scandés par des manifestants nigériens, dont certains ont pris d'assaut l'ambassade de France à Niamey. Comment l'expliquer ? Le problème, c'est que dans ce contexte, les populations, parfois, ou les hommes politiques, ne comprennent pas nécessairement pourquoi, avec autant de moyens, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Tout simplement parce que 5000 hommes, c'était l'opération Barkhane, sur des territoires 10 à 15 fois la taille de la France, sont des moyens finalement relativement modestes par rapport aux enjeux. Et les enjeux ne sont pas seulement les enjeux militaires, sont les enjeux aussi politiques et de développement. Et ça, c'est de l'ordre de la souveraineté des États. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey multiplient les déclarations hostiles à l'égard de la France, qui a menacé de répliquer de manière intraitable à toute attaque contre ses ressortissants et ses intérêts dans le pays. Que le 31 juillet, Poutine promettait des céréales gratuites à 6 pays au sommet Russie-Afrique. Alors, ce sommet Russie-Afrique, il a été essentiel. C'est un événement majeur de la géopolitique mondiale. C'est historique. On a Poutine qui a dragué tous les anciens pays de la France-Afrique. Non pas que Poutine soit particulièrement contre la France. Il considère que l'exécutif français est une marionnette, que Macron est une marionnette de l'OTAN, ce en quoi il a raison. Hollande était une marionnette de l'OTAN, Sarkozy était une marionnette de l'OTAN, Chirac a été le seul à ne pas l'être, mais à partir de l'AVC de 2005, Chirac a fait un accident vasculaire cérébral. À partir de ce moment-là, la politique gaullienne de la France s'était terminée. Et à ce moment-là, les présidents français ont cessé d'être des présidents français. Ils ont été des gouverneurs de la province France par rapport à la domination OTAN États-Unis. Et ça, Poutine le sait très bien, puisque lui, il est au pouvoir depuis 99. Donc il a eu le temps de voir tous ses chefs d'État, tous ses dirigeants diriger. Et donc, c'est pas particulièrement parce qu'il est anti-français que Poutine s'attaque à la France-Afrique, mais c'est parce que la France-Afrique est très malade, très fragilisée, que le Mali a été vraiment le coup fatal, et ensuite, la chute du Niger était inévitable, comme la chute du Burkina Faso. Et puis on compare déjà donc son nouveau leader à Sankara, qui a été assassiné bien sûr pendant la guerre froide, et tous ces grands leaders comme Sankara, comme Lumumba, etc., qui ont été assassinés durant la guerre froide avec le soutien de la CIA, eh bien Poutine est en train de leur parler, ça montre bien qu'on est dans la guerre froide 2.0. Alors, je vous lis un peu plus la dépêche, parce que le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, il a été émaillé de tout un tas d'irrégularités diplomatiques. Vous avez l'OTAN qui est intervenue pour empêcher certains chefs d'État de s'y rendre, les empêcher de transiter par certains aéroports. Donc, on a bien vu l'exaspération américaine, mais les États-Unis sont trop pris, justement, dans la guerre qu'ils financent en Ukraine et aussi dans leur pivot vers le Pacifique, parce que dès que les Russes auront liquidé le conflit en Ukraine, je vois pas ce qui retiendra la Chine d'intervenir à Taïwan, à part des conséquences sur l'économie mondiale avec la conception de semi-conducteurs. Vladimir Poutine a promis au premier jour d'un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg
de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains sur fond d'inquiétude après la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine en 2022, donc ça c'est de la dépêche France 24 les amis, le Kremlin peut toujours compter sur le soutien ou la neutralité de nombreux pays africains, et ce sommet est vu comme un test diplomatique et politique pour Moscou. Non, Moscou n'est pas du tout isolé, l'Arabie Saoudite et même les Émirats lui ont renouvelé leur soutien. On a eu la Burj Khalifa qui a été décorée aux couleurs du drapeau russe. Donc quand une dépêche qui émane de services de dépêche français vous sort isolé sur la scène internationale, là on est vraiment dans la bonne bullshit que l'Octogone est là pour débunker, bien entendu. Hein. En appel du pied, le président russe a assuré dans son discours d'ouverture que Moscou pourra, dans les mois qui viennent, livrer gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays. Le Zimbabwe, la Somalie et l'Érythrée, donc c'est un point important, ça vous donne un peu les nouvelles cibles. Et trois pays s'étant rapprochés de Moscou ces dernières années, le Mali, la Centrafrique et le Burkina. Donc ça vous donne vraiment les cibles, parce que l'aide alimentaire a toujours été un moyen de subordonner un pays, ou en tout cas d'y intervenir. Vous faites rentrer de l'aide alimentaire et le souverain, le chef d'État n'est plus souverain, c'est vous qui dirigez. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, et on ne va pas mordre la main qui nous nourrit. Donc l'aide alimentaire, les céréales gratuites, c'est une arme parmi d'autres. La France l'a utilisée, le Royaume-Uni l'a utilisée, les États-Unis l'ont utilisée, Poutine l'utilise, c'est tout à fait normal. Mais ça vous donne les prochains pays qui devraient tomber dans l'influence russe, et en tout cas brico-russe. Trois semaines après le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, les manifestations continuent au Niger. Les Nigériens occupent toujours les rues. Ils étaient de milliers à scander des slogans hostiles à la France devant sa base militaire implantée à Niamey. Les manifestants rejettent toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays et estiment que l'Élysée influence la CEDEAO après avoir validé l'option militaire pour mettre fin au coup d'État. Les Nigériens voient cette décision comme un acte de guerre, une agression militaire contre le pays. Cette intervention, il faut l'appeler par son nom, c'est une agression contre notre peuple. Aucun texte de la CEDEAO n'autorise des chefs d'État à décider d'envoyer des troupes dans un pays membre pour quelque raison que ce soit. C'est une agression et nous demandons aux autorités légitimes que sont les membres du CNSP de considérer ça comme un acte de guerre, une agression, et de répondre par la force. Les dirigeants est-africains n'ont pas révélé les modalités de leur action militaire. Les Nigériens déterminés à contrer la pression de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pris l'engagement de nous mobiliser, d'apporter notre pierre dans la stratégie nationale de défense. Nous allons continuer à maintenir cette pression, à maintenir la présence autour des points névralgiques de la ville de Niamey. Parce que le centre du pouvoir, là où se trouve celui qu'ils veulent rétablir, c'est Niamey, et nous allons nous constituer en bouclier humain avant d'atteindre les forces de défense et de sécurité. La CEDEAO doit comprendre ce que la population ou les populations des différents pays membres attendent d'elle. Ce qu'on attend de la CEDEAO, c'est d'attaquer les causes des coups d'État. Il semble que les pays d'Afrique de l'Ouest ne sont pas tous contre un nouveau pouvoir nigérien. Le Mali et le Burkina Faso voisins ont affiché leur entière solidarité avec Niamey. Le poids des premières sanctions contre la junte se fait déjà sentir au Niger. Depuis que les membres de la CEDEAO ont fermé leurs frontières avec Niamey, les commerçants locaux ne peuvent plus importer de marchandises. Sur les grands axes routiers, des queues interminables de camions se forment. Certains chauffeurs sont là depuis plusieurs jours. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On va jusqu'à à peu près 16 jours aujourd'hui. Donc, on demande à la population africaine de régler leurs problèmes, de nous laisser passer. On va décharger nos barrages, se retourner, retrouver notre famille tranquillement, comme il se doit. Ce vendredi, la CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention, mais affirme toujours privilégier une résolution pacifique de la crise. Cette décision ne fait cependant pas l'unanimité au sein de l'Alliance.
À Niamey, des milliers de partisans du régime militaire ont réclamé le départ des troupes aux abords de la base militaire française. La France a environ 1500 soldats encore stationnés au Niger et Paris a exprimé son soutien direct aux décisions de la CEDEAO. Les images d'eux sont rares. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les Bérets Verts, force spéciale de l'armée de terre américaine. Cette année-là, Washington et Niamey signent un accord de coopération militaire. Les deux armées peuvent désormais mener des opérations conjointes. Washington forme et équipe les soldats nigériens. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes. À l'époque, la Maison-Blanche en évoque seulement une centaine, en appui à l'armée française. Mais cette discrétion est mise à mal en octobre 2017. Selon le Pentagone, 4 militaires américains meurent dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés venus du Mali, membres de l'État islamique. Le grand public découvre alors la présence des Américains au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Nous avons des défis sécuritaires sur presque toutes nos frontières. Donc si vous voulez par exemple opérer au sud-est vers Diffa, vers le lac Tchad, ou si vous voulez opérer vers l'ouest, la position d'Agadez, vous voyez qu'elle est plus centrale. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel, enfin officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Outre l'aide militaire, la contribution américaine au développement se chiffre en centaines de millions de dollars. La semaine dernière, le président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, choisit d'ailleurs le Washington Post pour s'exprimer depuis le palais présidentiel, où il est toujours retenu par la junte. Il met en garde contre les conséquences du coup d'État qui pourrait faire tomber le Sahel sous influence russe. Dans ce contexte régional, les autorités maliennes ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie française de ses vols en provenance et vers le Mali. Pour rappel, Air France a suspendu le 7 août ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin. Demain, l'on dit aux populations du sud du Mali, qui représentent 90% de la population. On leur dit, écoutez, voilà, vous allez quand même faire un partage du pouvoir avec les Touaregs, etc. On nous dit, ah, mais écoutez, vous êtes bien gentils, vous les Français, mais chez vous, quand vous avez un parti politique, prenons l'exemple du Front National aujourd'hui, ou le Parti communiste hier, qui fait 30% des voix, est-ce que vous leur donnez des postes de ministres? Alors, donc il y a une démocratie pour les Blancs et une démocratie pour les Noirs, c'est du racisme. Votre démocratie, elle est universaliste ou elle n'existe pas. Donc, les démocrates français sont pris au propre piège de leur propre idée. Il aurait fallu le faire dès le début, en fait. Ben, il aurait surtout fallu, peut-être, suivre plutôt Sékou Touré et Modibo Keïta que Oufouet Boigny. Parce que Oufouet Boigny, lui, a voulu la territorialisation, alors que des gens comme Sékou et Modibo voulaient, eux, une vision plus large dans laquelle il aurait été peut-être possible de faire une sorte de fédéralisme. Mais au niveau d'État, il est très difficile parce qu'il y a une confrontation des ethnies, tandis qu'au niveau d'un vaste territoire, vous avez l'obligation de faire du fédéralisme, sinon ça ne tient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez? Là, c'est assez compliqué comme affaire. J'ai invité le général Frédéric Bett, qui a été le numéro 2 de la DGSE, qui a été le patron des forces spéciales françaises et qui est maintenant président d'une société de conseil en géostratégie, géopolitique et qui fait donc du conseil pour des entreprises, pour des États. Donc la Mauritanie, en définitive, c'est quoi ? Je voudrais cerner deux raisons principales pour lesquelles il faut parler de la Mauritanie, et la Mauritanie mérite qu'on en parle. La première, c'est que c'est au milieu d'un environnement
turbulent, c'est un euphémisme, et la Mauritanie est dans cet environnement, non pas un havre de paix, mais un havre de stabilité et de sécurité. Oui. Et mon expérience me fait dire que c'est l'un des seuls pays qui a su prendre les moyens, et nous y reviendrons, pour juguler les attaques, les actions des groupes terroristes dans la zone du Sahel. C'est le seul. C'est quasiment un exemple au monde d'une action multidimensionnelle qui a permis d'arriver à cette situation. Et la Mauritanie est un lieu, pour le moment, stable, sûr. Et ça, c'est une première chose qu'il faut savoir, parce que quand on parle de la Mauritanie, tout le monde pense que c'est l'insécurité du Sahel. Tout à fait. La deuxième raison vient dans mon deuxième chapeau, c'est-à-dire président d'une société de conseil. La Mauritanie est un pays en plein potentiel et en plein développement économique. Elle a des ressources naturelles sur lesquelles nous reviendrons, très importantes. On vient d'y trouver du gaz, de manière très importante aussi. Et elle a de colossales potentialités en énergie renouvelable, solaire, qui lui permettra, dans le futur, d'être un pays exemplaire sur le plan de l'énergie, du mix énergétique et, pourquoi pas, de l'exportation d'électricité verte, par le biais de l'électricité bien ou de l'hydrogène. Voilà. Et donc, dans ce développement, évidemment, j'appelle de mes voeux et j'appelle nos entreprises à s'intéresser à la Mauritanie sur le plan économique, parce que permettez-moi l'expression triviale, si on loupe le coche, si ces entreprises loupent le coche, ce seront les autres qui viendront de partout du monde. Comme d'habitude, les autres arriveront, Et comme d'habitude, les autres arrivent. Oui. Sur le plan sécuritaire et sur le plan politique et géopolitique, nous reviendrons tout à l'heure sur l'émergence des groupes terroristes dans le Sahel. Mmh. On pourra y revenir, mais tout le monde le sait. L'Algérie, 1991, le Front islamique du Salut, le GIA, qui se transforme en groupes terroristes qui descendent vers le nord du Mali, avec le fameux groupe salafiste pour la prédication et le combat. Et ces groupes cancérisent un petit peu la zone Sahel, depuis la Mauritanie jusqu'au Niger, et nous le savons bien. Nous avons suivi ça dans les années 2000 et 2010. En 2008, le président Aziz prend le pouvoir. Et avec son chef d'état-major, le général Razouani, aujourd'hui président, décide de s'armer, de changer, comme certains disent aujourd'hui, de changer de logiciel. Mm. Et là, je reviendrai plus tard, mais il y a une action tout à fait multidimensionnelle, en termes sécuritaires, en termes militaires, en termes religieux, en termes juridiques et en termes de développement de l'État, de façon à assurer une, je n'aime pas le mot parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais une guerre contre-insurrectionnelle dans leur pays. Conflit armé, marasme économique, hausse vertigineuse des prix de denrées de large consommation et du carburant, c'est le calvaire que vivent les Soudanais depuis des mois. Ces derniers jours, la faim et la malnutrition sont en nette hausse. Les Soudanais risquent de mourir de faim si l'aide humanitaire n'est pas maintenue. La dernière analyse de la classification intégrée de phase de sécurité alimentaire montre que plus de 20 millions de personnes se retrouvent dans une situation de faim aiguë sévère, soit environ 42% de la population du Soudan. Depuis le 15 avril dernier, le conflit dans ce pays de la Corne d'Afrique a continué à s'étendre. Sa dynamique est devenue de plus en plus complexe, d'après l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci qui a noté que l'accès aux personnes ayant besoin d'une aide alimentaire vitale est également devenu plus difficile et de plus en plus urgent. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué que les familles ont besoin d'aide pour faire face à une crise alimentaire imminente. L'agence onusienne a dans ce cadre relevé qu'elle est parvenue à distribuer des semences de culture d'urgence à environ 1 million d'agriculteurs dans 15 États. Face à cette crise alimentaire des plus graves au monde, le Programme alimentaire mondial a depuis le début du conflit fournit une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à 1,6 million de personnes. Il s'agit notamment des personnes piégées par les combats à Khartoum, dans le Kordofan et dans l'ensemble du Darfour, selon l'ONU.
Une trente de choc dans une région déjà fragilisée par un conflit armé sanglant, alors que des centaines de milliers de personnes continuent de fuir vers les pays voisins, augmentant les niveaux déjà alarmants d'insécurité alimentaire et de malnutrition, et sollicitant encore davantage les ressources limitées du PAM et d'autres intervenants humanitaires. Un accord a enfin été trouvé entre la Tunisie et la Libye pour accueillir plus de 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, bloqués à la frontière entre les deux pays depuis plus d'un mois. Début juillet, après la mort d'un Tunisien lors d'une bagarre avec des migrants, la Tunisie a expulsé plus de 2000 personnes dans des zones frontalières, sans nourriture et sans eau. 27 migrants ont perdu la vie et plus de 70 sont encore portés disparus. La Libye prendra en charge 200 migrants et la Tunisie accueillera 130 personnes sur son sol. Normalisation des relations au Moyen-Orient, réintégration au sein de la Ligue arabe, cette année 2023, la Syrie est sortie de l'obscurité dans laquelle elle est plongée depuis presque 12 ans. Certes, le président Bachar al-Assad avait au cours de ces dernières années rencontré certains dirigeants étrangers comme Vladimir Poutine ou Ebrahim Raisi, le président de l'Iran, mais le retour au premier plan d'un homme qui était considéré comme un paria interroge. Des questions sont soulevées également sur l'impact des sanctions, les défis post-guerre, sur les conclusions de cette guerre, mais aussi le rôle croissant du trafic de drogue dans cette normalisation diplomatique. Le gouvernement syrien aurait en effet facilité des opérations de contrebande en coopération avec des partenaires comme le Hezbollah et des milices liées à l'Iran pour approvisionner les marchés voisins. Nager dans la Seine, un vieux rêve sur le point de se réaliser. La mairie de Paris promet d'ouvrir 3 sites de baignade en plein cœur de la capitale française dès 2025. Mais pour l'instant, les Parisiens ne sont pas tous prêts à se jeter à l'eau. Moi ? Ah non, surtout pas. Vous avez vu les microbes, les saletés, les rats, il y a des rats partout. Et pourtant, d'importants travaux de dépollution sont en cours. L'élimination des bactéries a été améliorée dans les stations de traitement des eaux. Des péniches ont été raccordées. Mais surtout, cet immense bassin est en construction en plein Paris. Objectif, éviter le déversement des égouts dans la Seine lors des gros orages. Paris doit faire vite, des épreuves olympiques de natation doivent être organisées dans la Seine lors des Jeux 2024. C'est une marotte dont on parle depuis plusieurs dizaines d'années. Mais la concentration et la nécessité d'être prêt à l'été 2024 nous a permis aujourd'hui de réaliser tous les travaux nécessaires pour arriver à cet objectif majeur de se rebaigner dans la Seine et donc de réussir à léguer ça en héritage aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le week-end dernier, des épreuves de natation grandeur nature devaient avoir lieu dans la Seine, mais elles ont été annulées en raison de fortes pluies. Rien de surprenant, selon cet expert de la qualité de l'eau, la baignade restera dépendante de la météo. Lorsque des quantités d'eau de pluie très importantes ruissellent sur les chaussées et aussi dans les réseaux d'égouts, il y a forcément de l'eau souillée qui arrive en Seine et quand la pluie est très forte, les quantités sont très fortes. En temps normal, on ne déverse dans la Seine que des eaux usées traitées et les niveaux de traitement sont suffisants pour que des épreuves nautiques puissent avoir lieu. Selon Jean-Marie Mouchel, Paris reste sur la bonne voie. La qualité de l'eau de la Seine s'est considérablement améliorée ces 50 dernières années. Le nombre d'espèces de poissons qu'on recensait en Seine était de 3. Aujourd'hui, on est à 32 ou 35. Donc il y a eu clairement un progrès énorme qui a été fait. Le fait que Paris ait souhaité organiser des Jeux olympiques et d'utiliser la Seine pour faire des épreuves nautiques, ça a été un déclencheur majeur pour franchir une étape de plus. La baignade en Seine est interdite depuis 1923 à Paris, où l'on se baignait depuis le XVIIe siècle, dit-on dans le plus simple appareil. Reste à savoir si les Parisiens garderont cette fois leur main. Selon les conditions météo de là où vous êtes, on va demander à Marlène dans quelques instants, mais vous aurez peut-être la chance de pouvoir observer la pluie d'étoiles filantes des Perséides, un magnifique ciel embrasé dès ce soir et ça va durer tout le week-end. Et cette année, les conditions sont particulièrement bonnes, Delphine Schitz.
Oui, l'année dernière, la lune et sa lumière avaient gâché la récolte d'étoiles filantes. Le millésime 2023 s'annonce, lui, très favorable. Pas de lune le 16 août et donc un beau ciel sombre quelques jours avant et quelques jours après. Ce week-end, 70 à 110 étoiles filantes à l'heure traverseront la voûte céleste, environ une par minute. Ces traînées lumineuses sont des poussières échappées de la comète Swift-Tuttle. La Terre va rentrer dans l'essaim de particules qu'elle laisse derrière elle, comme l'explique Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace de Toulouse. En gros, c'est un petit peu quand on roule en voiture alors qu'il neige. Les flocons, du fait de la vitesse de la voiture, vous avez l'impression que les flocons viennent vers vous. En fait, non, c'est vous qui rentrez dans la chute des flocons. Voilà, c'est un petit peu ça aussi, les perséides. Donc, ce sont des poussières de comètes qui se consument dans l'atmosphère et qui font cette lumière. Il n'est pas nécessaire de regarder vers Persée pour observer les perséides. Les experts recommandent d'embrasser toute la voûte céleste. À partir de 23h, chaise longue ou couverture au sol et un peu de patience. Prenez au moins 15 minutes pour adapter vos yeux à l'obscurité et bannissez toute source de lumière, y compris les écrans. Alors, pour mes conseils de lecture... Alors tout d'abord, moi je vous conseille, puisque c'est la nuit des étoiles en ce moment, ce sont les nuits des étoiles, je vous conseille de prendre une couverture de survie et d'aller dans un champ. Vous vous étendez et vous admirez ces étoiles. Je pense que c'est vraiment, vraiment très important de faire ça. De se remettre dans la nature, de se remettre dans l'univers. Je crois que c'est vraiment une chose importante. Alors, aujourd'hui, éloignez-vous de la pollution lumineuse. Allez quelque part dans la campagne et soyez émerveillés, émerveillés par nos étoiles, notre univers. Bon, ensuite, mes conseils de lecture, vraiment. Alors, Le Monde diplomatique, oui. Le Monde diplomatique, un article, c'était mieux avant. Il reprend les thèmes de Houellebecq et de Sylvain Tesson. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Et puis, pour revenir à mes préoccupations premières, revoir les étoiles, un article sur justement revoir les étoiles, naissance d'une revendication. Et puis, toujours encore sur Le Monde diplomatique, entre Chine et USA, une guerre moins commerciale que géopolitique. C'est un très, très bon article. Je vous mets tous ces articles en lien dans la description. Et puis également une archive de 2023, de mars 2023, la France partie pour rester au Niger. Bon. Mais, très intéressant comme article. Alors, frontpopulaire.fr, un article intéressant sur la balance commerciale française. Un autre sur l'EDF, société qui est de nouveau en haut du podium, en haut du podium européen. Sur Marianne, toujours EDF, le géant de l'électricité allemand, estime qu'il faut arrêter, qu'il faut que les Allemands arrêtent de taper sur les Français pour l'énergie. Évidemment, les Allemands ont besoin d'EDF, ils ont besoin de la France pour se chauffer cet hiver. Par contre, je ne vous recommande vraiment pas le numéro de Marianne de cette semaine. Non. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. C'est important parce que là, on n'a que 3800 abonnés et donc les revenus sont très, très faibles. Soyez gentils. Soutenez-nous. À bientôt. Et n'oubliez pas le pouce.